Nous allons faire une entrée simple et imaginer que le patient vient du domicile. Double-cliquez sur le nom du patient en bleu. Une fenêtre s'ouvre. La date et l'heure d'entrée sont déjà renseignées par le bureau des entrées. Vous avez la possibilité de les modifier. Le mode d'entrée domicile est sélectionné par défaut et le mode d'entrée détaillé est lui aussi renseigné. Vous avez la possibilité de renseigner un moyen de transport. Il vous faudra ensuite vérifier l'UF d'hébergement du patient, c'est-à-dire l'UF dans laquelle le patient est physiquement hospitalisé. Si l'UF de responsabilité médicale, c'est-à-dire l'UF dont le patient dépend, est différente de l'UF d'hébergement, il vous faudra la renseigner. Cochez « Tous » pour avoir accès à toutes les UF, puis sélectionnez l'UF dans le menu déroulant. Renseignez ensuite la localisation du patient en renseignant sa chambre et son lit. Lorsqu'un sigle « Lit » apparaît devant une chambre, c'est qu'il y a un lit disponible dans celle-ci. Lorsqu'un sigle « Femme » ou « Homme » apparaît devant un lit, c'est que celui-ci est occupé par un patient du sexe correspondant. Et lorsqu'un sigle « Cadenas » apparaît devant un lit, c'est que celui-ci est bloqué, vous ne pouvez pas rentrer de patient dans ce lit. Vous devez ensuite renseigner le souhait d'une chambre particulière de la part du patient. Renseignez ensuite la modalité, en veillant à ce qu'elle corresponde et en tenant compte de la responsabilité médicale. Lorsque tous les champs sont renseignés, validez l'entrée en cliquant sur le bouton « Valider l'entrée ».